Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une ouverture courrier concours. J'ai reçu un premier courrier, ça fait déjà 8 jours, et je voulais attendre d'en avoir un autre, et en fait, j'en ai pas, donc je fais une ouverture de courrier concours aujourd'hui pour que la personne n'attende pas trop longtemps qu'on ouvre effectivement sa participation. Voilà. Voilà, je trouve plus sympa de l'ouvrir maintenant. En fait, oui, je ne vais pas attendre. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, la participation c'est Céline P. Ça sera, tu auras le numéro 1, Céline. Donc, je vais te noter avec le numéro 1, Céline. Voilà, Céline P. Et je vais ouvrir tout de suite l'enveloppe. Voir, en cachant bien. Attention à pas couper ce qu'il y a dedans, parce que ça, je suis limite capable. Oui. Waouh! Oh! Super! Alors, je suppose que ça, c'est la carte. Une très jolie carte. Waouh! Avec des papillons superposés. Chouette, ils sont super tes papillons, hein. Ton papillon il est magnifique, dis donc, j'adore, trop beau. T'as mis tu as fait des petites demi-perles avec des drops, ouais, je vois. Super. Là, les petites fleurs avec des demi-perles aussi violines, très jolie. Je vous montre. Alors. Voilà la carte de Céline P. Très jolie, dans les tons parme, mauve, avec les pivoines qui sont ma fleur préférée. Je pense que c'est des pivoines. Hein. C'est ma fleur préférée, la pivoine. J'adore. Elles sont magnifiques, les pivoines. Alors, je vais lire ton petit mot, Céline. Mais bien sûr que ça va me plaire. Ça plaît toujours quand on reçoit quelque chose, de toute façon, ça ne peut que plaire, hein. Ah oui, tu scrapes pas depuis très longtemps, ça fera 1 an au mois de juillet donc. Ben, c'est super ça. Ben, je suis très contente, Céline, que tu m'aies envoyé ça, c'est magnifique. Et elle est très jolie ta carte. Pour quelqu'un qui a juste commencé à scraper, c'est déjà très bien, hein, tu sais. L'accord des couleurs, déjà parfait, hein. Rien à redire. Elle est magnifique ta carte. Très belle. Ensuite, donc tu m'as fait un ticket bonheur. D'accord. Alors ça, j'en ai encore pas fait, moi, de ticket bonheur. Mais c'est vrai que j'aurais pu, oui, demander ça, effectivement. C'est pas un truc. Que j'ai fait. Alors, je faisais beaucoup d'ATC, AT-Stamp, j'aimais bien faire des séries. Et puis j'ai arrêté après. Je suis plus dans les boîtes, les trucs comme ça. Voilà, son petit ticket bonheur avec une petite fleur. Ça, on les a eus dans les petits trucs en bois, là, vous savez, de chez Action, il y en avait de plusieurs couleurs. Et les petits nœuds doivent venir peut-être bien de là aussi, je ne sais pas, tu me diras. Très joli. Avec le mot bonheur, bien sûr. Il est très beau. Fille le 14 mai. Très, très sympa. Très beau. Là, tu m'as fait un ATC. Je suis. Ah non, une Memory Dex. Il faut que je perfore. D'accord. Tu m'as fait les trous. Très bien. D'ailleurs, va falloir que je m'achète un Rolodex parce que j'aimerais bien faire des échanges de Memory Dex, effectivement. Comme ça, on a les coordonnées de la personne. On a ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, et je trouve ça sympa. Alors, c'est le thème arc-en-ciel et le petit chat avec le petit chat un peu licorne, on va dire, mais c'est pas une licorne, hein, voilà. Les couleurs, tu as dû faire ton fond, c'est très sympa, tu as fait un joli fond. Ciel bleu avec des petites demi-perles de collet. Très, très, très joli, très mignon, très doux. Alors, d'accord, tu m'as mis. Ton adresse est née en 70. Hein? Ce que j'aime, tu aimes les animaux, la nature, les balades en famille, la photo et les loisirs créatifs. Et tout ce qui brille. Ah ben d'accord, très bien. Tu m'as pas mis ce que tu n'aimais pas. Mais bon, tu dois aimer pas mal de choses. Donc, ben c'est bien.
La nature, les balades, bah oui, bon, forcément, hein. Les animaux, c'est très bien ça. La photo, parfait. Bah écoute, Céline, merci, hein. Très jolie, ta Memory d'Aix. Elle est très belle. Et là, tu m'as fait un PBA, ça doit être, non, c'est pas ça? Non, un ABC, je confonds toujours les deux. Le PBA, non, le PBA, c'est le Polaroid, c'est pas ça? Et là, c'est l'ABC. Ouais, j'en ai eu fait aussi il y a. Quand ça sortit, hein, quelques-uns. J'en ai reçu aussi de copines. Et ouais, j'en ai dans mon atelier là, plusieurs. De mes copinettes. Alors, tu as mis les jolies petites fleurs d'Action qu'on a toutes achetées, là, ces petites fleurs roses, blanches et parmes. Tu m'as collé des petits stickers. Ok, toujours ton petit arc-en-ciel. Tu as fait le fond là aussi, je pense. À la peinture, ça doit être l'aquarelle métallique. C'est pas ça? Tu me diras si c'est ça. Tu as collé une jolie dentelle. Regardez. Alors, c'est un ABC. Je vais marquer la date de la réception et je vais coller ici. Ici, je vais coller le timbre. Voilà. Qu'il y a sur l'enveloppe. Il y en a même deux en plus. Là, je vais pouvoir coller les timbres sur l'enveloppe. Voilà. Les timbres de l'enveloppe sur l'ABC. Donc, oui, je disais, tu m'as fait des jolis petits nœuds. Voilà, que tu m'as mis. Ça vient de chez Action aussi. Les couleurs, un petit arc-en-ciel qui rappelle l'arc-en-ciel de la Memory d'Aix. Les petites fleurs, le petit. C'est quoi ça? C'est un petit chat aussi, hein? Ouais, c'est un petit chat avec un petit nœud. C'est une petite chatte, en fait. Voilà. Bah, très mignon, c'est mignon tout ça. Et tu m'as mis le petit. Ouais, comment on appelle ça, le petit mot. Si tu vis chaque moment avec joie, tu n'auras dans ton futur que des souvenirs d'un passé merveilleux. Si tu vis chaque moment avec joie, tu n'auras dans ton futur que des souvenirs d'un passé merveilleux. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Eh oui. Il faut vivre chaque moment, en fait, avec joie, effectivement. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce petit mot positif. Voilà. Donc, je vous remontre tout ça. Donc, Céline, tu as la participation numéro 1 parce que tu es la première. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. J'avais dit qu'une carte. Hein, tu m'as fait 4 morceaux. Donc, ben, écoute, c'est très bien. 4 choses. J'en suis ravie et je suis très contente. C'est une très jolie participation. Voilà, et continue comme ça, hein. T'es bien parti là. Un an de scrap, c'est bien quoi, ça va venir, hein. T'inquiète, hein. On en apprend tous les jours, même avec des années de scrap. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et puis passez une très belle journée. Et puis Céline, encore bravo et merci. Au revoir, bonne journée.